Ma rencontre avec Séguérim, ces convertis de Colombie, est quelque chose d'extraordinaire. De rencontrer des gens qui, d'eux-mêmes, de quelque chose de profondément intérieur, ont voulu se rattacher au peuple juif, à la Torah d'Hachem. Aujourd'hui, la Yeshiva de Chaïm Eliyahu a un projet d'aider des jeunes Colombiens à non seulement à se convertir au judaïsme, mais en plus leur faire une chose que moi aussi je fais actuellement, c'est de s'insérer en Israël dans un programme. Il y a une des phrases que j'ai entendues de ces jeunes qui est extraordinaire. Le rabbin lui avait demandé « Mais pourquoi tu veux te convertir ?» Il a dit « Je vais me rapprocher d'Hachem. » Le rabbin lui a dit « Mais tu peux le faire sans être juif. » Il m'a dit « Non, on a besoin des mitzvot pour pouvoir se rapprocher d'Hachem. » C'est un projet qui est vraiment très important. On voit qu'ils ont envie d'apprendre, ils ont soif de connaissances et soif d'aider, d'apporter des choses à Israël. Et c'est pour moi un privilège d'être avec eux tous les jours et de leur enseigner la Torah. Et ce sont des garçons qui veulent à la fois être partie du peuple juif sur le plan religieux, mais à la fois faire partie du peuple juif et le défendre. Et tous, ils veulent également servir dans Tzahal. Yeshua a besoin de soutien et tout celui qui peut participer, c'est pas qu'il donne parce qu'on lui demande, c'est que ça paraît tellement évident que si vous voyez comment ils sont, comment ils ont envie d'avancer, etc., comment dès qu'ils ont, ils cherchent, etc. Cette année, nous avons un projet spécial des jeunes venus de Colombie qui passent un processus de conversion, de guillou, et nous les aidons ici à s'intégrer. Alors moi j'ai vu en fait des jeunes arrivés qui ne parlaient pas un mot d'hébreu, et ça fait bientôt 5 mois et je vois une progression formidable. En plus des cours d'hébreu qu'on leur donne nous à l'Ulpan, ils arrivent à parler avec les jeunes israéliens qui étudient à l'Yeshiva, et on voit vraiment une bonne intégration et de bons progrès. La Torah a dit à 36 reprises qu'il faut faire attention aux guerres, à celui qui est converti. Pourquoi? Parce qu'il est en danger. Il n'appartient plus à la famille d'avant et il n'appartient pas au peuple qui le reçoit, qui pas toujours le reçoit avec amour. Moi, je me rends compte que vraiment, après quelques mois, on peut dire bravo au Rav Bochko et à toute l'équipe de la Yeshiva pour avoir mené à bien ce projet et facilité l'intégration de ces jeunes. Vraiment, c'est un projet exceptionnel. C'est pour ça qu'à la Yeshiva, nous avons pris sur nous de s'occuper d'eux entièrement. Ils n'ont pas de famille pour les aider et les soutenir. Alors à la fois, ils vivent à la Yeshiva 365 jours sur 365. On s'occupe qu'ils aient des soins médicaux qu'il faut, tout ce qui leur est nécessaire, et l'étude de la Torah, et ce qui est nécessaire pour vivre, et également leur apprendre ensuite un métier pour qu'après leur service militaire, ils puissent s'intégrer dans la société israélienne et vivre comme des juifs de Torah, ayant à la fois une panassa et à la fois la Torah qui conduit leur vie. Israël est notre casa, notre connexion avec la Torah, notre camino hacia la vivencia judía, notre opportunité de crecer comme Bajurí Yeshivat. Y unirnos al pueblo judío como se debe. Y nuestro hogar, lo que nos da todo. Toda raba. La Yeshiva es nuestra casa en Israel. Es un lugar donde tenemos la posibilidad de adentrarnos más en el conocimiento de la Torah y donde están todos los días los brazos abiertos para ayudarnos al estudio más de la Torah. Y
una de las grandes oportunidades que he tenido en mi vida es poder venir a estudiar Torah en Israel y agradezco mucho a la Yeshiva Israel Yahu por darme la oportunidad de venir aquí y no solamente sino contar con el apoyo de todo lo que necesite y no solamente a mí sino a todos mis compañeros. Les élèves ont la volonté, la yeshiva les accompagne. Maintenant, on compte sur vous. Merci.